Chers Togolais, chères Togolaises, le président Faure Gnassingbé, vous le connaissez bien, est le candidat de l'humilité, le candidat de la paix, le candidat de la sécurité. Le candidat qui a une vision structurée qui va propulser notre pays vers des lendemains meilleurs. D'abord parce qu'il a une vision qui repose sur le pragmatisme et sur le consensus. Toujours tourné vers les autres, ouvert et disponible pour engager des discussions dès lors que ces discussions engagent l'avenir de notre pays. Et cela, c'est un sens de leadership qui est important pour notre pays. Ensuite, le chef de l'État a toujours montré par ses actions sa marque de réformateur. Un réformateur pragmatique dont les actions ont donné des résultats que vous connaissez, que vous vivez dans vos vies quotidiennes et que vous voyez, dont vous voyez les impacts dans vos vies quotidiennes. Et il est nécessaire de savoir que le chef de l'État, dans ses projets, peut transformer le Togo, notamment en développant plus la protection des plus vulnérables, la protection des femmes, en donnant un potentiel, un levier important au développement des activités économiques des femmes, en protégeant les femmes à travers les actions comme la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes, en rendant la césarienne totalement gratuite, mais aussi en accompagnant la jeunesse, en offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, mais aussi en mettant la gratuité totale des frais d'inscription aux examens et la gratuité des actes de naissance pour pouvoir justement, par des mesures concrètes qui touchent votre quotidien, transformer la vie de l'ensemble des Togolais. Et cela, il veut le faire avec vous. Il veut le faire avec vous parce que il est au quotidien avec vous, il est parmi vous et il va vers vous au quotidien et vous écoute et ressent avec vous les enjeux pour notre pays que représente cette élection. Il est à vos côtés pour ce nouveau mandat. Merci beaucoup.